En septembre 2015, Vacances Transat lançait les Seychelles. Aujourd'hui, en mai 2016, nous vous proposons quelques images pour découvrir cette belle destination à travers un voyage de formation. Et tout de suite, sans plus attendre, on retrouve Étienne, notre super correspondant local. Étienne, est-ce que tu m'entends ? Oui, tout à fait Romain, bienvenue aux Seychelles. Nous sommes arrivés après un vol direct Air Seychelles avec des prestations à bord de très bonne qualité, un service exemplaire. Ici, un programme chargé nous attend. Nous allons prendre l'autocar, nous allons beaucoup marcher, nous allons faire du vélo, nous allons prendre le bateau. Beaucoup de visites d'hôtels nous attendent, car en effet, cette saison, la production Vacances Transat s'est beaucoup élargie sur la destination. À très bientôt. J'ai eu un coup de cœur pour le Coco de Mer, de par sa situation surtout, avec une plage assez sauvage. J'ai beaucoup aimé aussi le spa, avec une vue panoramique sur toute la côte. Pour finir, ce sera surtout sur les chambres. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur la décoration des chambres, qui est vraiment en phase avec le style de l'hôtel. Le Duc de Pralin a été une très bonne surprise. Il est situé à quelques minutes des principales activités touristiques et de l'une des deux discothèques de l'île. J'ai aimé l'hôtel Hilton La Brise situé sur l'île de Silhouette, à 45 minutes de Mahé. C'est un magnifique hôtel où on prend le temps de vie, ou bien où on peut profiter des randonnées accompagnées, proposées par l'hôtel, du fait des hauts reliefs de l'île. Chaque chambre a un accès direct sur la plage, sur une longue plage de 2 km, qui peut permettre de très belles balades au coucher du soleil. Ah, salut Guillaume, je voulais voir Romain, ouais. Il m'a dit, entre. Voilà, peut-être dans la salle de bain. Romain ? Romain ? Non. Vous n'êtes pas non plus dans la douche extérieure, on le verra. Tu peux être sur son lit. Romain ? Bah. Non, voilà, non plus. Il n'est pas attaché à t'entrer sur la terrasse. Romain ? Ah ouais, ben, il est là. Et Guillaume qui est là. Ouais, ouais. Pas de soucis, ouais. Ton dossier à 20 000, tu le confirmes, il n'y a aucun problème. Allez, ciao. Et ouais, aux Seychelles, on continue à bosser. Alors, on sort du bateau de Silhouette Island jusqu'à Mahé. Pour vous décrire un petit peu l'ambiance d'un bateau sur les Seychelles avec un temps pas très clément, on peut comparer ça à Disneyland, Star Tour, si vous connaissez, sauf que ça dure pas une minute, ça dure 40 minutes. Donc en résumé, c'est rigolo un petit peu, et quand ça s'arrête, on est content, mais en tout cas, c'est pas insurmontable du tout. L'hôtel que je retiens à Mahé, c'est The Ash Resort, un hôtel récent, ouvert en août 2015. Alors une journée type ici, ça va être le matin, détente, yoga sur le lagon, et puis le soir, un dîner romantique en tête-à-tête sur la plage, avec un menu personnalisé avec le chef. Et puis on finit la journée tranquillement au bar, avec une ambiance dansante, musicale, avec pas mal de monde. J'ai vraiment apprécié le domaine de l'Orangerie sur l'île de la Digue. Les chambres sont personnalisées, avec une décoration différente pour chacune. Le restaurant est ouvert sur la mer. Et puis on a un spa exceptionnel perché dans la montagne, où on a des cabines qui sont ouvertes vers l'extérieur et puis où on se masse avec une vue imprenable. Donc c'est vraiment un endroit où on s'y sent bien et on peut y rester facilement 2-3 jours et apprécier pleinement cet hôtel. Si je devais retenir deux hôtels sur la Digue et sur Mahé, je prendrais le Repère à la Digue, une petite structure avec un restaurant de spécialité italienne et des produits qui viennent directement d'Italie, sauf le poisson qui est pêché aux Seychelles. Et sur Mahé, ça serait la Vanille, l'ancien Méridien, qui a été rénové et réouvert il y a un an, parce qu'ils surfent vraiment sur la vague. Ils ont notamment un chi-challenge sur une terrasse en bois avec des gros poufs face à la mer.
c'est simplement magique, un vrai moment de détente. Au Seychelles, je suis bâché chez Soch. Nous voilà à la fin de notre séjour, un séjour qui n'aurait pas pu se faire sans nos partenaires, Air Seychelles et Créole, évidemment. Nous sommes à l'aéroport juste avant le départ, juste avant de partir. Etienne, est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de ce voyage et surtout, finalement, les Seychelles, à quelle clientèle on peut le conseiller? Évidemment, qui dit Seychelles dit forcément jeune marié, donc c'est la première clientèle concernée par cette destination. Maintenant, durant cette étude tour, nous avons vu des sites somptueux tels que Lens aux Sources d'Argent, Lens Lazio, la Vallée de Mai. Donc j'ai envie de vous dire que les Seychelles, c'est vraiment pour tous les amoureux du voyage. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très belles ventes cet hiver avec Vacances Transat sur les Seychelles. À très bientôt. À très bientôt.